All right, yes, we are bringing you the extended highlights of the game involving Ghana under 20 and Nigeria under 20. All the goals, action, highlights are in the next video. Do all to subscribe to the channel, like the video, hit the notification bell, and select all the Waffle Zone B under 20, Waffle Zone B under 20 finals. Highlights is in the next one. Let's. Sont déjà en place. Ils attendent. En tout cas, leurs adversaires hein, avec beaucoup plus de dynamisme. Et voilà, c'est donc parti pour la première partie d'explication ici sur ce terrain. Nous jouons la grande finale hein, de tournoi qualificatif de la CAN des moins de 20 ans, qui se jouera en 2025, bien sûr, avec le Ghana qui récupère pas peur longtemps. Et les Flying Eagles qui ont le ballon. On se maintenant avec cette frappe, c'est contré, ça revient. Long dégagement, le dégagement de la défense ghanéenne. Piné Denis Marfo. Attention avec ce ballon pour Cleven Nkuruma. Nkuruma qui sert à son partenaire. Nkuruma, non plutôt bien sûr. Oh là là là. Il a glissé un tout petit peu. Missiabo Aziz. De la touche. Attention. Attention avec ce centre. Il reste sur très belle cure. Et quel sauvetage. Quel sauvetage in extremis. Oh là là. Le Nigeria qui n'a pas réussi à marquer ce but. Ah oui, le Nigeria qui n'a pas réussi à marquer ce but. Je pense que le joueur était pratiquement seul hein, dans la surface de réparation. Mais il a tergiversé parce qu'il a beaucoup tardé. Sinon, il avait la possibilité de mettre ce ballon-là au deuxième poteau. Mais vu qu'il a tardé un peu trop de construire le jeu. Et malheureusement, je vois aussi qu'il jette trop le ballon parce qu'il y a la précipitation. Il y a aussi la pression entre les deux équipes. Waouh, waouh, quelle combinaison. Quelle combinaison entre ces trois joueurs. Et là, on va revenir sur ce joueur qui est à terre. Oh, le Nigeria qui... Qui relance ses partenaires avec Hafou Adou. Attention, le centre de Adou. Le joueur était court, c'est pas fini. Un autre centre avec la tête. Mais quel arrêt. La tête d'Apia et quel arrêt somptueux du portier nigérien Harcourt qui relance sa partenaire. Tout à fait, la prise à deux temps, la prise à deux temps de Harcourt, voilà, sur ce coup. Et là, la reprise de Mohamed Ibrahim qui n'était pas... Cadre, attention, attention, il a hésité, quelle hésitation oh. En tout cas, heureusement qu'il s'est ressaisi pour mettre ce ballon en touche, permettant quand même à la défense de revenir pour se repositionner. Et là, on voit Edwin Koufour à Samoa pour la rentrée de touche. En tout cas, le portier nigérien a amusé avec le feu. Déjà, Moussiba Oaziz, on le connaît, c'est un attaquant extraordinaire, un attaquant Inter Dim Teams. Le ballon qui est soulevé, la tête défensive pour envoyer ce ballon. Attention au contre-favorable, qu'est-ce qu'il... Attention, attention. Et il va bénéficier quand même hein, de la faute. Et voilà, je pense que lui également, il a hésité sur cette contre-attaque ghanéenne. Donc il a hésité et il a trop... Après, il s'est ressaisi pour pouvoir reconduire sa course. Malheureusement, déjà, il a perdu le ballon. Et voilà, c'est sorti et c'est une entrée en touche pour le Nigeria. Voilà, la rentrée en touche pour le Nigeria déjà effectuée avec ce ballon qui retrouve donc Daniel Koloch. Maigari Adamu. Ça repart avec cette faute de main de Aziz. Avec Maigari. Maigari qui s'appuie. Attention, Maigari en profondeur encore. Le centre de Maigari. Pour qui? Attention. La frappe. Attention. Et voilà. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Nigeria. Et c'est le joueur, notre ami.
Barobo Arieri qui vient ouvrir le score. Et là, on voit directement la joie de la population de Kano, Ibadan, Dias, Abba, Ilesha et Djemeta. Ah oui, cette ville-là du Nigeria. Qui vient donc d'ouvrir le score ici. Ça fait désormais 1 pour la formation du Nigeria et 0 pour le Ghana. En tout cas, le match est loin d'être terminé. Quand on sait que c'est une équipe ghanéenne qui marque beaucoup, en tout cas, ça va encore donner du poids. C'est temps de douleur. Avec la tête pour la remise, le capitaine ghanéen, Asamoah, qui dégage comme il peut. Et c'est pas fini. Le buteur qui profite. La frappe. Un second but. Le doublé. Le doublé ici, sur ce terrain. Mais quel joueur. Quelle précision de tir. 2-0 pour le Nigeria. Voilà, 2-0, mais quel but extraordinaire. On peut le souligner, ce but extraordinaire de Barobo Arieri qui a éteint, l'espoir ghanéen, en tout cas pour ce premier acte. Quel joli but. Il a tout simplement effacé la lucarne du portier ghanéen, Benjamin Tchoum. Et ça fait 2-0 pour le Nigeria. Waouh, quelle précision de tir, quelle précision de frappe, fantastique, extraordinaire. Ouh. En tout cas, Barobo Arieri, voilà, Barobo Arieri. Quelle précision de frappe, waouh. Alors que le juge se pose toujours avec Nkuruma maintenant, le Ghana qui va devoir repartir avec ce centre, et le rebond, la défense qui vient sortir le ballon, ça sera donc une rentrée de touche pour le Ghana. Le Ghana qui va devoir reprendre tout à zéro, en tout cas on verra après le retour des vestiaires, ce que cette formation pourra nous produire. Puisque Moukaïla a déjà une minute de temps additionnel dans cette rencontre. Alors que le ballon rouge, attention, le petit geste, et l'enroulé, et l'arrêt miraculeux, l'arrêt fantastique. En tout cas, quel arrêt. C'est pas terminé avec Nkuruma, il est rentré, le ballon, oh, et le Ghana, Kobe. Balancer sur le côté droit. Edwin Akufo-Asamoah, le centre. Attention à Nkuruma pour servir en son garde de l'autre côté. Il est là, il est rentré. Attention! Quel sauvetage in extremis de Obinna. Obinna qui vient encore une fois sauver sa formation. Obinna, quel joueur, Obinna. Quel sauveur! On dirait le Messi de cette formation du Nigeria. Et le Ghana qui ne va pas réussir à concrétiser cette occasion. Appuyons tiré. Attention, la tête de la défense du Ghana. Et le dégagement. Très très loin. Deux supporters ghanéens qui a fait le déplacement pour suivre cette belle finale, Gilles Loro. Justement, ça fera du bien. Attention, ce ballon, les rentrées sur une opération. Qu'est-ce qu'a fait la frappe? Nkuruma, c'est pas quoi terminé. Nkuruma qui s'est rapproché de l'autre côté. Et c'est repoussé, ça revient encore une fois. Juste devant, la frappe le tien. Et oh là 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 là. Les dieux du Ghana ne vont pas répondre. Les dieux du Ghana qui ne sont pas présents ce soir ici au stade Okégué. Mais ça fait quand même du bien que cette équipe arrive quand même à se créer des occasions. En tout cas, servir offensivement. Avec le ballon dans le rond central.
retrouve maintenant Koufour à Samoa. Il balance dans la verticalité, c'est bien fait. Ah oui, le 1-2 avec Richemont Tété, le centre. Et voilà! La réduction du score! La réduction du score sur un centre très bien ajusté de Richemont Tété. Ils arrivent à réduire le score, les Ghanéens. Et regardez la joie actuellement qui sévit toute la population. Denis Marfo. On retrouve Maxwell Azafokwe. Maxwell Azafokwe. Pour la verticalité, c'est récupéré par Moussa. Moussa Kifenwa. Récupération des Ghanéens. Ah oui, c'est très bien fait. Attention de l'autre côté. Qu'est-ce qu'à faire? Le centre à venir. Oh! Il n'aura pas cette possibilité de mettre le pied sur ce ballon. Il est arrivé tardivement. Moukaïla. Ah voilà, je pense qu'il est revenu exactement tardivement. Il était court sur cette passe à ras de terre. Bien donné. Alright, yes, that's how the game ended over there in Togo. Ghana under 20 facing off with their counterpart Nigeria. Under 20 Nigeria with some very good two first half goals and a fantastic performance overall in the game. Ghana also trying their mettle. Yes. Let me know your thoughts, comment, views, opinions in the comment section of the video. Like the video, hit the notification bell.